décaliser la romance. Leur frontière continuera de les applaudissements pour monsieur et madame Bebré, s'il vous plaît. Belinda et Richard, félicitations, bravo mes amis. Belinda et Richard, j'espère que vous allez bien. Je me représente, peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis Stéphane Sacré, dit Lexé, et je serai votre maître de cérémonie ce soir. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce public est là, votre famille est là aujourd'hui, et je suis fier de vous. Vous respirez l'amour, la solidarité, et je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir. Là, c'est la partie MC, maître de cérémonie. Maintenant, je vais rentrer dans mon personnage que vous connaissez tous les jours. On va se laisser. Pour dire vrai, nous allons nous amuser, nous allons célébrer l'amour ce soir. Parce que oui, quand il y a les événements heureux, il faut célébrer. On va enlever nos chaussures quand le moment viendra. On va manger jusqu'à enlever les boutons de pantalon quand le moment viendra. C'est une façon aussi de vous dire que nous sommes heureux pour vous. Et on va vous soutenir tout au long de votre vie. Et on vous souhaite que du bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, avant de passer aux festivités, on va leur souhaiter bienvenue. Je vais demander ici à quelques membres de la famille et aux amis s'ils ont des anecdotes sur Belinda et ou Richard. Si quelqu'un veut témoigner avant de commencer... les hostilités avant de commencer à dîner. Qui aimerait raconter une petite anecdote sur Belinda et Richard? On commence par qui? Claire? Claire, l'une des demoiselles d'honneur de Belinda, aimerait témoigner, aimerait raconter un petit quelque chose sur Belinda ou Richard, je ne sais pas. Bonsoir Claire. Bonsoir. Du coup, je me présente, Claire. Amie, petite sœur de Belinda. Par rapport à Belinda, il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter.
Elle me menace, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut savoir que Richard, il a trouvé une très bonne femme, une perle rare, qui sous ses airs sous ses airs de tigresse, de femme toujours avec le visage serré, elle a un très très grand cœur. Elle a certes ses défauts, mais c'est une très très bonne femme. Et j'espère que tu feras un bon mariage, que vous verrez vieillir, et que tu nous feras plein plein de neveux et nièces encore.